Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire le nouveau son de SNI featuring Getovis, ça s'appelle Level Up. Et on va se checker ça tout de suite. Qu'est-ce que ça dit? SNI, la King Rapper en featuring avec le King Banu Getovis. Et voilà, perds pas de temps tout de suite. J'ai découvert dernièrement et c'est vraiment une pépite cette go. La mélodie est intéressante. C'est bien, ça sort un peu du lot. C'est bien, la prod elle est plutôt légère. Elle est bonne à écouter. C'est doux, c'est bien composé, franchement. Et elle pose super bien. Tout en douceur ce titre. En même temps, il y a un peu de drone technique et très urbain. Il y a vraiment une fusion de plusieurs saveurs sur ce titre. C'est vraiment bien joué. Et SNI, elle a fait le taf. Tu vois, c'est dans le style du son posé, en même temps un peu de caractère dans sa façon de poser. Il y a du flow, il y a des mélos, c'est intéressant. Getovis! Franchement, beau titre, hein. Ça colle bien entre les deux. Le mélange, il est propre. Coupure. Voilà, très très sévère les peu bon. Franchement bien, beau titre. Franchement c'est bien, hein. Franchement bien fait. Parce que je vois la fusion entre les deux, la prod choisie aussi, c'est très bien adapté. Franchement ça passe super bien, tu vois. C'est pas mauvais, il y a du flow, il y a de la mélo, les instruments derrière utilisés sont hyper bons. Tu vois, ça part pas dans tous les sens. C'est pas un son banger, c'est vraiment un son très qualitatif. Joli l'outro, oui, bien, franchement, bien, propre le son. Franchement, tu vois, c'est une musique qui fait beaucoup de bien sur plusieurs termes, tu vois. La compo, elle est bien maîtrisée. En fait, tu vois, ça part pas dans tous les sens. Le volume, il est vraiment adapté. La composition est vraiment fluide, tu vois. Il n'y a pas de tu vois, il y a des sons, tu vois, ça part dans tous les sens. Il y a des grosses basses, des kicks, des gros snares, les flows très techniques, ça part de partout. Ça veut montrer qui est le plus fort sur certains titres pour montrer, voilà, c'est que il y a de l'ego, il y a de l'ego trip, etc. et tout et tout. Là, vraiment, c'est un titre vraiment bonne ambiance. Un son partagé entre l'urbain et une douceur en même temps. Très spécial ce titre, franchement bravo à eux. Le retour est plutôt bon, franchement j'ai rien à dire. Après voilà, lyricalement, je pourrais pas m'exprimer dessus, je peux juste parler du flow évidemment, qui est très très bon, tu vois, c'est adapté avec la prod, donc franchement rien à dire, hein. Donc voilà, SNI, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc franchement force à elle, parce qu'elle a envoyé du lourd sur ce titre, et franchement elle met le son à un autre niveau aussi, hein. C'est bien d'avoir cette présence féminine qui apporte quelque chose réel en plus sur un titre de Getovis aussi, parce que c'est Getovis en feat, hein, c'est pas l'inverse, donc elle a ramené Getovis et ça le fait beaucoup, hein. Et on sent vraiment que c'est son titre
Aesseni, elle l'impose de par sa façon de poser, son ambiance. Et voilà, franchement, elle a ramené son univers avec Ghetto V. Et franchement, ça le fait. Rien à dire, Ghetto V qui arrive à bien se mélanger avec ce style. Même s'il n'est pas très très éloigné, il y a quand même un peu d'urbain. C'est un peu les drums, tout ça. La compo, elle est un peu urbanisée, on va dire. Et franchement, j'ai rien à dire de plus. Hein, c'est clean. Bravo madame, bravo madame, et voilà, lourd. Ghetto V n'a même plus besoin de forcer un couplet léger qui passe crème exactement. Un autre niveau atteint, vrai level up, le niveau de Esseni. Force à vous. J'ai hâte de voir cette collaboration. Les Banous sont là pour faire pousser le projet au sommet des millions. C'est l'une des plus belles collaborations de l'année. Force à vous, la famille GMG. Le beat, les couplets, chacun a assumé. Franchement, c'est fort, je m'attendais pas à ça. Et voilà, je pense que le feat est là, le plus commercial, le plus adapté du style musical actuellement. Franchement, le son, il passe hyper bien. Ça peut passer vraiment facilement en radio, en clip à la télé. Franchement, c'est vraiment un bon single, hein. C'est un très bon single. Une belle ambiance, tu vois, ça change un peu de trop. Des grosses ambiances, on va dire, des ambiances très festives, des tempos très rapides, etc. Les BPM très élevés. Et là, on part dans une petite. Un truc léger, mais en même temps très qualitatif. Donc, franchement, chapeau à eux. Et voilà, bravo Esseni. Et bravo à Ghetto V, comme d'hab, hein, rien à dire. Et Esseni, surtout elle, parce que tu vois, c'est son titre. Et je découvre de plus en plus son univers. Et franchement, elle envoie du lourd. Donc, franchement, bravo à elle. Et voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine. Et ciao. Ciao.